Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la woodbox du mois de mars qui est arrivée, que j'ai reçue déjà depuis 3 jours, donc on ouvre ça tout de suite. Hop. Hop, hop, hop. Moi j'ouvre ça comme une sauvage, moi. J'ai les chiens qui sont avec moi. Ils font bouger la caméra, tu t'en vas Nana, dépêche-toi, allez, va-t'en. Oh, l'emballage est très beau déjà. J'aime bien déjà le dessus, parce que le thème, franchement, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Très très beau déjà l'emballage, hein. C'est excellent. J'essaie de la sortir parce que j'ai le dessus, je voudrais pas regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai un carton déjà, voilà, je referme. Donc voici la boîte qui est très jolie, noire avec... Il y a Lucky qui fait tomber des choses. Hop, touche pas. Donc je disais, une boîte noire avec des écritures lootbox en or, très jolie. Il y a des trous... des trous de balles, voilà ici et là. Donc, ah, ça fait une petite valisette, j'avais pas vu. Donc, devant, on a la petite poignée, les petits verrouillages ici. C'est très joli, les boîtes de woodbox. Et à chaque fois, ça change comme ça. Elles sont trop belles. Maintenant, je les garde parce que le décor change à chaque fois. Alors qu'avant, c'était tout le temps la même chose. Donc, à la fin, poubelle. Maintenant, je les garde. Voilà. Donc, on ouvre ça. Alors, je vais ouvrir ça à l'aveugle. Je prends le premier truc qui me vient là dans la main. Oui, bien sûr. Je vais mettre ça. Alors c'est un masque Batman qui s'utilise voilà comme si c'était des lunettes. Donc là c'est le moment d'être ridicule, hein. Je vais l'essayer. Ça va être horrible. Wouh, attention. Ouais, c'est trop bien. Je suis belle là comme ça, Nana. Ah oui. Niché, il me regarde, il dit toi, c'est qui cette folle. Donc c'est des, en fait c'est des lunettes de soleil en fait, parce que c'est foncé. Alors je sais pas si c'est UV, hein, je pense pas. C'est juste comme ça. Donc de DC Comics, voilà, Batman. Sunstash. Donc oui, ça a l'air d'être des lunettes de soleil, mais comme il n'y a pas d'indice de protection, à mon avis c'est pas des vraies protections UV, donc faites attention à ça. Je ne pense pas. Ensuite, on a quoi? Vous voyez un museau là, ici là, c'est Lucky. Bonjour Lucky. Allez, va-t'en. Va-t'en. Ah là 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 là. Ensuite, j'ai Nuka-Cola. Donc c'est du Fallout. C'est un magnète ou... Voici, comme ça. Mais ça a l'air d'être un décapsuleur plutôt. Parce que vu la forme qu'il y a derrière... A mon avis, ça sert de décapsuleur. On verra ça après dans le petit bouquin. Hop. Je dis que j'ai regardé sans exprès. Alors, nous avons... donc le thème, c'est action. Voilà. Donc le thème, action. Le petit badge qu'on a, comme tous les mois, avec le signe Oméga. Voilà. Très joli. Ça se fait en présence de mes chiens. Voilà. Il y a les loulous à côté. Et tu peux pas t'en aller, non? Il croit que c'est la woodbox, c'est pour ça. Allez, il n'y a pas à manger dedans, ça sert à rien. On entend. Coucher. Coucher. Parce que je viens de rentrer, alors forcément, on est foufou. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est à l'air des stickers. I love, pardon, woodbox. Avec, c'est quoi comme symbole? Par contre, ça me dit rien. Si vous savez, vous. De toute façon, je crois qu'on va le voir dans le bouquin. Je ne sais pas du tout les symboles. Ça me dit rien pour l'instant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse boîte. C'est ce qui prend les trois quarts de la box, là, déjà. Oh, trop bien! Ah, oh, c'est excellent! Alors, ça, c'est bien... Pour ceux qui ont le jeu Disney Infinity, voilà.
Voilà, voilà. Donc nous avons une figurine Marvel Super Héros de Disney Infinity 2.0. Donc une vraie... ouais, elle est jouable, hein. Donc nous avons Hulk. C'est excellent. C'est super bien. Donc elle est compatible Disney Infinity 2.0. Donc attention, il faut avoir le jeu, hein. Donc moi j'ai le 3.0, donc normalement comme c'est la version au-dessus, je peux l'utiliser dans ma version 3.0. Donc j'avais acheté la version Star Wars. Et pas ici, je croyais que j'avais la boîte ici, mais non. Donc voici, excellent. Franchement, alors dans ces jeux-là, Disney Infinity 2.0, bah là c'est du Marvel. Donc vous pouvez avoir Hulk, Captain America, ce que je regarde par rapport à l'image qui est en dessous là. Gardien de la Galaxie, Spider-Man, Iron Man, Thor, Ant-Man, Groot. J'essaie de voir. Je crois qu'il y a aussi. Ah non, je reconnais pas. J'allais confondre avec Kratos de God of War, mais je pense pas que ce soit lui. Ça n'a rien à voir avec Marvel. La Veuve Noire. Et je crois que c'est tout ce que je reconnais pour l'instant. Voilà. Nick Fury, voilà. Je vais pas tout dire non plus, mais... voici. Excellent. Ça doit coûter... Oh, c'est du 2.0, ça, allez, une dizaine d'euros, voilà. Ça doit coûter une dizaine d'euros, c'est excellent. S'ils pouvaient en faire plus, très bonne idée, franchement. Du 3.0, ça aurait été mieux, mais bon, du 2.0, franchement, ça marche sur mon jeu, donc c'est pas très grave. Pour ceux qui ont la toute première version de Disney Infinity, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas compatible. Il faut minimum 2.0 pour que ça fonctionne, voilà. Donc pour ceux qui ont le jeu, c'est bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, bah, ça fait une figurine. Alors, est-ce que je le laisse comme ça ou pas? Ou je l'utilise? Je pense que je vais le laisser en boîte, parce que j'ai fini les histoires de Disney Infinity 3.0, donc Star Wars. J'ai fait celle qu'il y avait avec le pack de démarrage et le réveil de la force, qui est excellent. Que j'ai fait un let's play d'ailleurs sur ma chaîne secondaire, si ça vous intéresse, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Enfin, un peu de pub en même temps. Je suis pas gênée quand même. Donc voici. On va pas y passer 15 jours non plus. Voilà, une figurine de Disney Infinity 2.0. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, je pense qu'ils mettaient la plateforme de cette figurine, si elle était compatible PS4, PS3 ou peu importe. Là, il n'y a rien, donc c'est bizarre. Ouais. J'espère que ça marche sur PS4 quand même. Je pense que oui quand même. Bon, on va voir. Je vais laisser ça bien. Nous avons le petit magazine. Voici donc le thème action, voilà. On a quoi? Voilà, donc on a les photos des goûteurs. Hop. La communauté, la méga woodbox action, donc il y a, que je vous dise, alors pour 400€, une réplique taille réelle du masque de Batman. Une PS4 avec Street Fighter 5 d'une valeur de 250€. Non, 400€, pardon. C'est à, oui, 250€, c'est un stick arcade de Street Fighter 5. En 4, une édition collector de The Division à 150€ quand même. Et une télévision Samsung Ultra HD 4K nanana, à 850€. Voici donc une figurine à Disney Infinity, donc pour avoir Hulk ou Venom. Donc j'ai eu Hulk. Ils disent pas de quoi, ouais, voilà. D'accord, donc ils ont fait une figurine, ils ont fait une figurine Hulk Disney Infinity 2.0, parce qu'on voit qu'en fait ils ont dû avoir un partenariat, parce que tout de suite après, il y a la fameuse pub pour Disney Infinity 3.0 pour le pack aventure que j'ai fait, voilà, sur ma chaîne secondaire. C'est ce jeu-là que j'ai fait sur PS4. Donc à mon avis, s'ils mettent les deux, c'est que c'est compatible. J'en ai aucune idée, j'ai jamais testé. Ah, il y a quelque chose que j'ai zappé dans la... Ah d'accord, ok. Bah d'habitude on a des t-shirts, mais non, on en a pas. C'est à cause de la figurine, elle a coûté tellement cher. Encore dernier, nous avons... parce que j'ai oublié l'article, quand je voyais le plastique, je pensais que c'était un t-shirt, mais en fait non. C'est un tapis de souris Hitman. Donc c'est le jeu vidéo.
Voilà. Woodbox et tout, trop bien. J'utilise un tapis de souris, tu vois. Il est trop bien. Voilà. On n'est pas beaucoup de tapis de souris. Ça, c'est un truc, franchement, qu'on donne pas beaucoup dans les box. Moi, je trouve ça bien. Parce que quand les gens, ils voient, oh, t'as eu ça où là. C'est trop bien. Oh là, je fais tomber le bouquin, moi. Voilà. Donc, et en plus, il est grand, donc c'est bien. C'est super bien. J'aime bien les grands tapis de souris. Parce que les trois quarts du temps, bah, hop, la souris qui part plus loin. Parce que je sais pas comment je fais. Voilà. Donc, j'ai fait le bouquin. J'ai fait tomber le bouquin. Donc on en était où? Donc du coup j'ai vu le tapis de souris, la planche de stickers Woodbox qui est ici. Voilà, donc est-ce qu'ils disent les références dessus? Décorez votre ordinateur ou toute surface plane avec ces stickers de célèbres jeux vidéo d'action ou montrez-nous votre amour de la Woodbox en postant votre photo sur les réseaux sociaux. Mais ils disent pas la référence. Donc surtout n'hésitez pas si vous savez. Mettez-le en commentaire. Je me coucherai moins bête ce soir. Voilà. Ou ce soir ou plus tard, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ensuite, on a le masque Batman, donc qui fait lunettes de soleil. Pas UV, attention. Voilà, ça protège juste votre identité. Hein, par les foufous. Mais attention, c'est pas UV. Hein, c'est sombre, mais à mon avis... Ça... Il aurait marqué l'indice UV aussi, non. Donc voilà, en faisant une pub pour Batman vs Superman, qui sort le 23 mars. Oh, c'est bientôt, c'est trop bien. Ensuite, donc c'est bien un décapsuleur. Je ne me suis pas trompée. Nuka-Cola, décapsuleur, trop bien. Voilà, donc c'est la référence, c'est Fallout. Je ne me suis pas trompée. Et le mois prochain, image indice... Faut deviner le thème, ça c'est bien ça, faut deviner le thème, ça nous donne une petite idée là. Ça nous permet de réfléchir en attendant la prochaine box. C'est un rubis caché dans un trou, à travers des planches de bois. Voici. Mettez votre suggestion sur dans les commentaires. On va voir qui sera le plus proche. Le rubis tout de suite, il me fait penser dans les rubis à attraper dans les Zelda. Après, je ne vois pas. Je ne sais pas du tout. On verra bien le mois prochain, de toute façon. Voilà. Donc ce que j'ai préféré moi dans la box, du coup, c'est ça, voilà. C'est la première fois que des box offrent des figurines jouables sur des jeux vidéo comme ça. Donc là c'est Disney Infinity 2.0, bon c'est un peu daté mais c'est pas très grave parce que c'est compatible avec les, normalement avec le 3.0. Voilà. Très bonne idée de la part de Woodbox. Très bonne idée. S'ils pouvaient faire ça avec, ouais, quand ce sera moins cher parce que là à mon avis ils pourront pas sinon, les nouvelles figurines Star Wars ils pourront en faire comme ça. Ou des figurines Amiibo, ce serait très bien. Franchement, ce serait super cool, ce genre de truc qu'on peut garder en boîte comme ça si on les utilise pas. Tout ce qui est amiibo, les figurines comme ça, jouables, s'ils pouvaient en faire plus, ce serait bien. Bah pour ma part, hein, après, ça dépend des personnes. Voilà, donc pour ma part, ça, point positif, excellent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !